De retour et en direct toujours sur la page de Comcom TV, nous sommes sur le Catalpa, nous sommes samedi soir, un jour encore extraordinaire, puisque là, sur le plateau de Comcom TV, je suis avec le groupe Girls in Hawaii, j'espère que je l'ai bien dit, parce ouais, que mon anglais... Pas mal. Et j'ai avec moi Brice et François, deux membres du groupe, donc je le redis, Girls in Hawaii, comme ça je répète en même temps et en direct, ce sont des Belges, un groupe belge qui vient jusqu'à chez nous, jusqu'au département de Lyon, dans ce magnifique festival. Hier, c'était 17 000 personnes. Je vous souhaite la même chose ce soir. C'était un truc de dingue, vraiment. On vous découvre un petit peu. Pour le pitch, à l'origine, il y a deux jeunes garçons avec des guitares en bois qui chantent. Est-ce que vous en faites partie de ces deux jeunes? Ou ils sont là-bas? Ben non, moi, je suis le petit frère d'un des deux. Mais... Toi, t'es le petit frère d'un des deux, mais ça a commencé c'est comme tout ça. Tout à fait ça. Ouais, c'est ça. C'est juste sur les bancs de l'école, en gros, Lio et Antoine qui sont rencontrés. Qui... Des potes de lycée, en fait, ouais, ça a démarré comme ça. Exactement. Et, ils ont découvert une passion commune pour des groupes... Pour la musique, ils avaient envie d'enregistrer. J'ai pas présenté, là vous avez Brice quand même, voilà Brice qui est à la guitare, c'est ça? C'est juste, voilà. La guitare. Ouais. Donc sur les bords de l'école, c'est parti. Ouais, une comme rencontre humaine, amicale, et puis la musique est venue s'imbriquer là-dedans. Voilà, la suite. Et de l'autre côté, on va continuer avec François. Alors François, plutôt clavier, c'est ça? Moi je suis clavier, synthétiseur, tout ça, un peu de guitare aussi quand il faut, mais moi c'est principalement ouais, synthé. C'est la première fois que vous venez sur Auxerre, sur le festival? Écoute, c'est la première fois, ouais. Dans on Lyon, était hyper curieux parce qu'on n'est jamais venu. C'est vrai qu'on a joué à peu près partout en France, mais on n'était pas venu à Auxerre, donc voilà. Ouais. C'est chose faite. Le premier album, vous en avez fait partie? Vous étiez déjà présent au premier ouais, album? Ouais, moi j'étais présent. François, lui, est arrivé sur l'album. J'ai arrivé plus tard, Brest. Moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce premier album et puis dans le dernier? Alors, pour le coup, puisque tu y as participé, et puis toi aussi pour le dernier, du coup. Bah, dans le premier, c'est. Vraiment, c'est le côté adolescent, quoi. C'est ouais. Vraiment, le tout début, on était hyper excités de découvrir en fait tout ce milieu de la musique, et de l'enregistrement. On s'attendait pas du tout à avoir un succès. Ouais. C'est arrivé comme ça, en fait. C'est vraiment arrivé comme ça. Notre rêve, c'était à la base de jouer au Botanique, une salle à Bruxelles. Et après deux concerts, on a joué au Botanique. Donc ouais. Pour nous, un peu, le contrat était rempli et tout le reste, ça a été vraiment du bonus. Ouais. Donc voilà, pour moi, le premier, c'est vraiment un truc assez enfantin, adolescent. Ouais. Mais voilà, c'était très libéré, ouais. Sans pression, sans. Et alors du coup, la pression, elle est venue après sur le. Alors le dernier album, François? Pas sur le dernier, mais je pense ouais sur le deuxième qui a été compliqué. Mais si on veut parler du dernier qui s'appelle Nocturne, faut savoir que c'est un disque qu'on a fait après Everest, dont il faut parler quoi, qui marque un peu une, enfin un tournant dans l'histoire du groupe. Bien sûr. C'était à la suite d'un décès d'un des membres fondateurs. D'accord. Denis qui était notre batteur. Et donc ouais, un peu de pression quand même, parce que quand on fait un album de retour comme ça, après des années d'absence, voilà, quand tu reviens avec un disque, après tu te rends compte que c'est vachement plus difficile, paradoxalement. Ouais. Oui. Et voilà, il y a la pression, il y a aussi la perte, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, donc ici, sur ce disque Nocturne, on a voulu vraiment faire un truc un peu plus léger, un peu plus libéré. On a voulu clairement donner une couleur plus électro. Ouais. Et bah là j'ai bien pu me lâcher justement sur les synthétiseurs et tout ça, donc on s'est bien fait plaisir en studio, c'était agréable. Ouais, des sessions d'enregistrement assez cool. Qui compose, qui écrit, qui comment? C'est toujours Lionel et Antoine, donc les deux qui amènent des bases de morceaux en gros, et puis nous on vient greffer un peu notre univers, soit des arrangements plutôt, des petits détails par-ci par-là. Ouais. Mais c'est principalement Lio et Antoine qui. D'accord. Et là, ça fait deux disques où ben, les musiciens ont un peu plus de place pour s'exprimer par rapport à avant, où la volonté était de rester quand même très très proche des démos. Ici, on est vraiment parti de chansons de base, quoi. En fait, il y avait vraiment la structure, les accords, quelques idées comme ça lancées au niveau de la thématique sonore. Et puis, le reste du temps, c'était liberté en studio pour créer, quoi. Donc ça, c'est vraiment agréable, quoi. L'électropop, c'est quelque chose qui, depuis tout petit, vous attire, ou vous étiez peut-être d'univers différent musicalement? Ce qu'il y a, c'est que vu qu'on est six, on a tous des backgrounds très très différents, des goûts musicaux très différents. C'est assez large aussi. Ouais, dans, très très large. Les goûts et donc c'est très très difficile de résumer je veux dire, les styles de tout le monde comme ça, enfin en tout cas de les rassembler. Ouais.
Et finalement ça marche quoi, parce que c'est ce qui se dégage un petit peu du truc, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ouais. Donc et chacun construit quand même les morceaux. Ouais, mais je pense qu'on a tous, comme on est des enfants des années 80, on a tous quand même une fascination pour l'électro. Des références. C'est ça, ouais. Des trucs qui sont marqués dans notre inconscient. Plus tard, il y a une Nirvana aussi qui est. Nirvana, ouais, c'est quelque chose qui est aussi un électrochoc. Ça a clairement donné envie de faire de la musique en fait. Qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir sur scène là? Si vous nous regardez, n'hésitez pas à venir tout à l'heure découvrir Girls in the White. Qu'est-ce qu'on va voir comme spectacle? Qu'est-ce qu'on va voir comme est-ce qu'il y a une mise en scène lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Un grand spectacle son et lumière ce soir à Auxerre sur la plaine. Les nombreux. Catalpa. Là voilà le parc de l'Arquebuse. Mais en fait on a des versions quand même vachement plus musclées en live que sur les disques, parce que c'est l'occasion forcément quand on est six musiciens de donner un peu d'énergie et tout ça. Donc je pense que il faut s'attendre à un truc qui démarre calme et puis qui monte en puissance au fur et à mesure du set, et vu qu'on a essayé une heure et demie pour arriver à un climax, on va dire qu'on construit ce truc pendant. C'est chouette d'avoir des sets assez longs, parce que du coup ça nous permet de prendre des chemins un peu différents. Et puis vous exprimez aussi. Ouais. Puis sortir des vieux morceaux en fait ici, donc c'est un peu. On joue des titres de tous les albums. D'accord. Et c'est chouette, on revisite. Non. On joue beaucoup de titres forcément du dernier, parce que c'est un petit peu la volonté de le présenter, de le promouvoir. Mais ici, l'idée c'est vraiment de faire un. Revisiter les vieux morceaux, c'est hyper important pour nous. Girls in Hawaii, ce sont des Belges, et vous savez quoi, ce soir il y avait la Belgique pour la Coupe du Monde contre la Tunisie, et vous c'est la Belgique qui a gagné par 5 buts à 2, c'est ça? C'est ça, ça. Alors vous l'avez regardé tout à l'heure en backstage, dans votre loge, etc. Ouais. Ça devait être quelque chose? Ouais, il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. Ça faisait quand même longtemps que la Belgique n'avait plus mis 5 buts dans un match de Coupe du Monde. C'est historique d'ailleurs, je pense que c'est jamais arrivé. Thierry Hazard, il en a marqué quelques-uns? Thierry, non, mais son fils. C'est Eden. J'aime bien dire Thierry Hazard. Mais son Eden. Fils, Eden Hazard, il a marqué? Eden a marqué deux fois. Ouais. Très bien joué. Grand match d'Eden Hazard. Très solide. Hein, Lukaku, deux buts aussi. Donc du coup à fond les Gamelles pour le concert de ce soir. À fond, on est à fond derrière les Belges et on est à bloc là. Bloc. C'est bon. Et venez les découvrir, c'est tout à l'heure dans quelques heures. Vous jouez à 22h15, c'est ça. Venez, n'hésitez pas, si vous êtes à côté, que vous êtes en train de nous regarder en direct, venez découvrir ce groupe qui nous vient de Bruxelles. C'était Girls in Hawaii. J'embrasse vos deux collaborateurs du coup que je ne connais pas. Voilà, le chanteur, vous leur direz que vous avez été parfait sur ce plateau. Vous pourrez le retrouver sur la page Facebook de Comcom TV. Vous allez dessus et vous retrouverez ça. Nous sommes en direct. Je vous fais un petit coucou. Merci. Salut tout le monde. À Brice. Merci. Et merci à François, leader de ce groupe. Girls in Hawaii. À tout à l'heure. Et là, du coup, on va changer complètement d'univers. C'est un partenaire qui arrive, qui est juste à côté. Elle s'appelle Bille de Sucre. Elle nous fait des pâtisseries juste énormes. Voilà. Peut-être que vous pourrez en goûter tout à l'heure quand vous aurez avec juste plaisir, avant. Plaisir. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Super. Merci à vous. À tout de suite. Ciao.